Yo tout le monde et bienvenue sur The Tenants, un jeu pour l'instant en accès gratuit, hein, puisque on peut l'essayer sur Steam. Il sera plus tard payant, mais pour l'instant vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de ce que donne The Tenants. The Tenants est un jeu de gestion qui permettra d'acheter votre bâtiment. On va carrément dire bâtiment, et vous allez pouvoir le retaper et le relouer à votre sauce. Voilà. Au début, on va avoir un petit tutoriel qui va expliquer de quoi ou qu'est-ce et de comment fonctionne le jeu. Il va d'abord nous demander de retaper un peu certaines pièces, et on va voir au fil du temps jusqu'où on arrive avec cette démo. Je pense que c'est limité, mais pas trop, quoi. Voilà, on peut vraiment d'après ce que j'ai déjà vu, on peut vraiment déjà modifier chaque parcelle qu'on achète, chaque appartement ou chaque pièce. On peut acheter des objets, on peut, et en fait le but ici c'est que vous allez devoir louer ça à des propriétaires, à des gens qui louent, quoi. Et vous allez devoir gérer tout ça, quoi. Voilà. Clique sur le quartier, voilà. Ouais, l'autre fois, quand j'ai lancé le jeu, j'ai vraiment zappé tout ça. Alors, il y a des missions, hein. Ici, il y a les joueurs, ou le joueur, hein. C'est les objets à débloquer et tout ce qu'on peut éventuellement faire. Donc, on va aller dans mission et on peut accepter la première mission qui aura un salaire de 4 000 $. Alors, on sait Sesame Street. Ok, excellent. J'ai besoin de quelqu'un pour transformer ma vieille caravane en espace de vie convenable. Budget 10 300. Temps restant 365 jours. Ok. Bon, on va aller sur place. Voilà, c'est assez simple. Hein. On peut changer la vue, enfin, on peut bouger la vue avec la souris. Clic droit, c'est pour bouger droite à gauche ou vers le haut ou vers le bas, hein. Et la molette de la souris, c'est tourner autour de la caravane. On peut voir que on a pas mal de nettoyage à faire, donc c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà, tout simplement. Et on va espérer pouvoir réparer tout ce qu'il y a à réparer ici. Voilà. Nettoyer. Je sais pas si vous vous rappelez un peu dans Car Mechanic Simulator, le mode réparation, ou même dans Biker Garage, là, il y a un certain pourcentage de chance de réparer, de savoir restaurer l'engin ou l'objet. Ici, c'est la même chose pour les fauteuils ou les divans, ou les canapés, et les meubles aussi, voilà, 100% de chance. On peut réparer tout ça. Alors, faut savoir que le jeu va sortir un peu plus tard dans la. Mais franchement, moi je kiffe bien, quoi. C'est le genre de jeu que j'aime bien, quoi. Jeu de gestion. Voilà. On a réparé la douche. Voilà. C'était le dernier. Super, tu peux me mettre assez grand nettoyage. Je prends. Je te promets que je ne le prendrai pas personnellement. Ouais, chacun a ses goûts, hein. Alors, clique sur l'appartement entre dans le mode rénovation. Je veux voir de près à quoi ça ressemble. Ok, bon, on va commencer la rénovation. Donc, on a deux phases. On a le mode où on retape tout. Et alors, la deuxième phase, c'est le mode rénovation et installer du mobilier, quoi. Ok, donc ici on voit à notre droite tout ce qu'il y a encore à faire. On doit avoir un micro-ondes, une télévision, toilette, papier toilette, et alors du sol posé et les murs peints. Donc le plancher et les murs, on va devoir s'occuper de ça. Donc pour ce qui est des sols, ici il nous recommande, avec la petite boule verte, les meubles requis. Hein, donc on peut choisir un des deux. On va prendre ça, du parquet ou un espèce de carrelage. Voilà. On va prendre ça, tiens. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Dans ma précédente partie, en fait, c'était pas la même chose. Ils m'ont proposé d'autres objets, d'autres couleurs. Donc ça, c'est bien. Donc chaque partie est différente, en fait.
Pour ce qui est des murs, on n'a pas vraiment le choix que de prendre quelques trucs ici. On peut peindre ça comme ça. En restant à cliquer sur le clic gauche, on reste appuyé, ça peint les murs automatiquement. Voilà. Alors maintenant, passons à la partie la plus intéressante, l'ameublement. Ouais. Le mobilier. Donc, il nous faut un micro-ondes, télévision et toilette. Alors, il faudrait, pour bien faire, la télévision. Comment est-ce que je vais faire? J'ai quand même un gros budget, donc je peux quand même taper dans les prix. Dans la salle à manger, on va prendre une petite table. Attendez, j'ai une idée. Ce réfrigérateur, on va le déplacer là. Voilà, on installe le réfrigérateur ici, comme ça, c'est impeccable. Le divan ou le canapé, on va le mettre ici. Voilà. Ah, il y a le radiateur qui était dans le chemin. On va le déplacer un peu, qu'on le mette bien contre le mur. On optimise la place le plus possible. Alors, on a déjà un divan, ça c'est bon. Il nous faudrait une petite table basse en fait, hein. Un truc un peu dans le style, peut-être ça. Alors je vois qu'il y a un espèce de trou dans le mur là, je sais pas trop ce que c'est. Bon, la vie c'est comme ça, hein. Wouah, des jeux Nintendo. Excellent. Terrible. 2 500 $. Ça fait beaucoup d'argent, hein. On va prendre l'écran LSD. LCD, pardon, LCD. Au niveau des toilettes. Alors, on va chercher les toilettes. Bon, on va prendre des toilettes simples, hein. Voilà. As simple as it is, comme on dit. Impeccable. Ça, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Boîtier électrique, c'est quand même chaud de le mettre là, hein. À côté d'une douche, je sais pas. Je pense qu'on va le mettre là. Voilà, impeccable. Moi, ça gêne personne. Et si les plombs sautent quand ils regardent la télé, au moins il sait directement les mettre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à mettre? Papier toilette, c'est ça? Ouais, papier toilette. Impeccable. Et alors le micro-ondes. Bon, le micro-ondes, je sais pas comment où je vais le mettre. Je vais voir. Je vais peut-être prendre une simple table. Par contre, table basse, ça ils ont jamais entendu parler, apparemment. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon. Alors, table basse, où est-ce qu'on va trouver ça? Ou bien un simple bureau, peut-être. Alors, je vais un peu déplacer le fauteuil ou le divan par là. Ok. Et alors, essayer de mettre un petit bureau ici sur le côté. Je sais pas, ça va être trop chaud. Non, ça va passer. Ouais, ça passe. Impeccable. Et là, je peux éventuellement mettre le micro-ondes qui est demandé. Voilà. Je pense que c'est tout. Objet préféré DVD. Attendez. Je vais juste une fois voir. C'est dans ce truc-là. Collection de DVD. Je vais une fois les mettre ici. Je vais voir, peut-être que ça va faire quelque chose, mais impeccable. Ah bah voilà, c'est fini. Vous pouvez voir que la map est plutôt grande. On peut acheter des bâtiments comme ici, là-bas. Ok, donc on va pouvoir vraiment acheter tous les bâtiments qui sont présents ici. Vous pouvez voir que bah c'est quand même déjà pas mal, hein. C'est niveau grandeur de la map, on est bien, quoi. Ok, donc on va au petit carré ici, hop. On va raccorder l'électricité. Ah, donc cet appartement est à nous, d'accord. Ok, terminé. On a reçu un petit texte, un petit message.
on va directement voir. Donc les objets à débloquer, ils viennent au fur et à mesure. Hein. Dès qu'on a terminé une mission, on a terminé certaines choses, ben on va recevoir des petits cadeaux en plus. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, on dirait pas au premier abord, mais Jack s'y connaît en rénovation. Ben un peu, mon neveu. Donc ça, c'est pour la fameuse caravane, là. Niveau décoration, on n'est pas dans le... On n'est pas ouf. Hein? Mais c'est aussi le moins important. C'est plus les meubles préférés, le décor au niveau du sol et les murs. Voilà, ça c'est souvent à notre sauce quoi qu'on doit le faire. Alors, tu vas installer quelques missions pour mes... Ah, ok, bon ça va. Il y a des missions? Excellent. On va aller directement là-bas. Alors, c'est quoi le mot de la fin ici? Oh, c'est une nouvelle mission, ça. J'avais pas eu ça la semaine passée. Hier, la semaine passée. architecte demandé pour une petite mission de rénovation. Cuisine, salle à manger. Exigence, concevoir une nouvelle cuisine. Budget, 5 900 $. Alors, ligne directrice. L'indispensable, c'est décoration, première impression. Et le moins important, c'est les meubles préférés. Bah on va faire ça, hein, mais pas de souci. Alors la salle à manger, on va directement la faire là. Mais avant ça... Ah non, ici c'est notre mission. Je vais accepter cela aussi. Bon, je vais commencer la rénovation en cliquant dessus. Au niveau des sols. Alors comme la chambre est déjà un peu grise, on peut aussi aller dans le même sens que ce qu'il y a déjà. Ah, c'est pas très gris ça, c'est plutôt brun. Brun caca même. Faut pas non plus que ce soit un truc de ouf quoi. Impeccable. Au niveau des murs. Alors là on n'a pas vraiment énormément de choix. On peut prendre du bleu, faut voir ce que ça donne. Ah c'est beau. C'est joli, en bleu. Ok, on va prendre ça en bleu. Et pour la cuisine, on va prendre une autre couleur, tiens. On va prendre bleu clair ou un truc comme ça. C'est du blanc cassé, je sais même pas. Voilà, impeccable. Au niveau des murs, on est pas bon, là? Ah, il est encore là-bas. D'accord. Alors, il faut une chaise. Il faut des chaises. Ça c'est dans salle à manger. On prend des simples chaises à la con hein. Voilà. On se prend pas la tête. Une petite tape. Ok. Ok, ça se place directement dès qu'on a mis une table, on peut placer automatiquement la chaise en dessous de la tarpe. Ça, c'est bon, ça. Alors, il faut un évier de cuisine, une cuisinière et un réfrigérateur. D'accord. On va faire ça. Alors, évier de cuisine. Voilà, comme ça, on peut faire la vaisselle pendant que... On peut regarder ce qui se passe dehors pendant qu'on fait la vaisselle, je veux dire. Je vais le déplacer comme ça. Je vais encore mettre un meuble juste à côté. Réfrigérateur. Ok. Et la cuisinière, on va la mettre juste à côté. On va la mettre ici, tiens. Bon, je l'aurais pas mis là normalement, mais bon, comme c'est juste pour vous montrer comment fonctionne la physique ou la mécanique de jeu, on s'en fout un peu pour l'instant. Je pense que j'ai tout, j'ai terminé la mission. Niveau des portes, bon, il n'y a pas trop d'importance. Ok, terminé la mission. Faut voir ce qu'elle en pense. Ouais, elle est contente. C'est pas ouf non plus, quoi. Cuisinière. Ah. Bon, elle est moins contente pour la cuisinière, apparemment. Et les tables.
Ouais, c'est pas ouf non plus. Merde. Ok. En fait, elle est contente avec rien, quoi. Je viens de remarquer ça. Donc en fait, elle va à chaque fois venir contrôler les endroits où qu'on retape, on va dire. Et en fonction de ça, bah, elle va nous donner une évaluation sur le merdier, quoi. Alors, je suis niveau 2, progression commentaire. Ok, on va voir ce qu'elle a à dire. Ok, ça c'était la première mission, ça c'est la deuxième. Alors, moi Jack a essayé de. Mais je ne pense pas qu'il y a mis assez d'efforts, je suis déçu. Je refuse de payer plus pour un travail aussi mauvais. Oh putain! Bon. Ben, au moins on sait que ça peut être différent à chaque mission, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Rénover l'appartement. On va commencer alors. Impeccable. Donc ici pareil, hein. Il faut du sol. Plancher au carrelage, mur peint. Alors faut des murs en... Putain, les couleurs sont flash là, quand même. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Voilà. Voilà. Putain, si ça allait aussi vite pour peindre les murs chez moi, je pense que je ferais ça aussi comme ça. Hein. Alors, niveau du mobilier, on a besoin d'un évier de cuisine pareil hein, que tout à l'heure. Bon, celui-là, on va le mettre. Là. Bon, ça l'a grouillé un peu, hein, putain. Cuisinière, on va prendre celle-là. Attends, on va d'abord faire ça. On va mettre un meuble. Oh putain, le meuble est large. On va le placer comme ça. Voilà, déplacer. Ok, impeccable. Petite table. Table marine. Ouais, ça n'a pas trop d'importance apparemment. Petite table. On va prendre ça, hein. C'est bon, c'est joli. Enfin, c'est. C'est surtout très très encombrant, on va dire. Alors, on va prendre ça comme chaise. Ok, impeccable. Donc, le réfrigérateur, on va l'installer aussi. Réfrigérateur, on va prendre quand même quelque chose de moderne, hein. Une chose qui coûte 1000 dollars. Voilà, impeccable. Et je pense qu'on a fait tout, hein. Alors, il faudrait une télévision et une plante murale. Donc ça, on peut éventuellement faire, hein. Plante murale, quoi, carrément. Voilà, plante murale. Et on va éventuellement aussi encore installer une télévision. Si ça peut leur faire plaisir. Console de jeu Play X. Excellent. Écran catholique. Voilà, comme ça ils sont contents. Et nous on peut terminer notre mission. Alors voyons voir ce qu'elle va dire à propos des chaises. Oh putain. Je vais le casser la gueule à celle-là. La télé, c'est bon? Ouais, bon, pas contente non plus, apparemment. En fait, elle est contente avec rien, quoi. La couleur, non? Oh putain. En fait, j'ai pris les. J'ai vraiment fait les mauvais choix pour aménager ma. Mon appartement, quoi. Ok, nouvelle couleur, des haltères et une douche. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, hein, puisque je vais pas non plus
perdre mon temps sur une démo alors que le jeu complet sortira bientôt. Donc ce que moi je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Et bah dites-moi dans les commentaires si vous voulez éventuellement voir une petite série là-dessus, parce que moi je kiffe bien le style gestion d'appartement. Hein, faut savoir qu'après un moment, vous allez avoir votre appartement, vous allez pouvoir le louer et tout, donc vous allez être propriétaire et gagner de l'argent. Voilà. Moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.